solution, effectivement, depuis déjà 3 ans, a été mise en place à Rabat. Il a été inauguré par son Altesse Moulay Rachid. Et ensuite, il a été effectivement à Bruxelles, à Paris, à Limoges. Et nous sommes très honorés qu'elle puisse se tenir dans ce lieu prestigieux de Lisbonne, dans le sillage de cette rencontre du Forum de Lisbonne. Et c'était quand même, je regrette l'absence de Serge Labousouf, qui est un peu souffrant, mais qui était un peu à l'origine de cette rencontre, en collaboration avec le Conseil de l'Europe. Et franchement, ce type d'activité, en traversant tout à l'heure le pont de Vasco de Gama, ça m'a donné l'idée que c'est par la culture qu'on doit construire des ponts entre notre pays et l'Europe, et particulièrement avec son statut avancé. Voilà, cette exposition concerne principalement les relations du Maroc avec l'Europe. Et l'idée de cette exposition, c'est pouvoir montrer comment de relations qui étaient très tendues avec l'Europe au XVIe siècle se sont améliorées avec le temps. Ce qui nous fait donner un espoir, toujours pour l'avenir, que les relations ne peuvent que s'améliorer avec le temps, mais il faut aller vers l'autre et non pas se fermer à l'autre. Donc ça, c'est toute l'idée de cette exposition, et de voir comment des gens qui ne se connaissaient pas, les Marocains et les Portugais au départ, on les voit ici à Lisbonne, sont devenus des peuples amis qui échangent commercialement, qui échangent diplomatiquement, etc. Normalement, c'est une exposition absolument magnifique, il y a un catalogue, et elle revient sur six siècles de relations entre le Maroc et l'Europe. Et ce genre d'initiative, on devrait un tout petit peu les multiplier, parce qu'elle participe d'une forme d'excellence, notamment avec notre membre, Paul Dhan, qui est effectivement le chef d'orchestre et le commissaire de cette exposition. Donc l'exposition reprend principalement des documents anciens, des manuscrits, des livres anciens, des gravures, des photographies, des tableaux, des bijoux. Donc il y a toute une variété d'objets qui montrent cette diversité de relations qu'a eu le Maroc avec l'Europe. Et puisqu'on est au Portugal, on a intensifié ces relations Maroc-Portugal, mais on sait voir aussi l'Espagne, évidemment, la France, l'Angleterre, la Hollande, tous ces pays qui ont collaboré et qui ont laissé des traces chez les Marocains, et le contraire aussi, des Marocains qui ont laissé des traces chez des Européens. On va être ouvert, évidemment, à tout le public. Ce lieu, ce qui est une grande chance, permettra à entre 3000 et 5000 visiteurs par jour, puisque c'est un lieu qui accueille environ toute cette population. On m'a dit qu'il y avait le minimum de gens par jour, c'était 3000 visiteurs. Donc ça aura certainement un très grand succès, et on n'aura pas besoin d'intervenir ni de faire de la publicité, puisque tout le monde qui vient à Lisbonne, qui vient au Portugal, vient visiter ce lieu.